qu'est-ce que tu fais quand tu t'emmerdes? Tu regardes les feux de l'amour? Non, ça c'est quand t'es mort. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a du vrai là-dedans. Quand tu t'emmerdes, tu regardes la télévision. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Dès que tu allumes une télévision, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves des paysans. Et c'est là que tu vois que c'est con un paysan. L'émission, elle s'appelle L'amour est dans le pré. Le pré, il est devant la ferme. Et l'autre, il est là. Je sais pas, je comprends pas, je trouve pas l'amour. Il est dans ton pré, connard. On va quand même pas te filer une boussole pour trouver ton pré, c'est le tien. Percute un peu, putain. Et les filles, c'est pas mieux. Oh, alors c'est ça, une vache. Non, ça, c'est Madame Froissart, la voisine. La vache, elle a deux fois moins gros qui est juste à côté. Bah, ça commence bien. Si tu crois que ça va t'aider à t'intégrer dans le village, ça... Mais ça va pas, t'as des trucs pareils, t'es malade, fous le feu à leur ferme, donc tu y es. Et là, la fille, au lieu de se calmer, elle continue direct. Oui, moi, si j'ai voulu le rencontrer, c'est parce que ma passion, c'est les animaux. Eh ben, tu vas être servi, ma grande. Parce que tu vois, lui, il a peut-être que 35 ans, mais ça fait au moins 50 ans qu'il a pas baisé. Alors, crois-moi que l'amour, il va être aussi dans la chambre, dans la cuisine, sur l'armoire, sur le buffet, et probablement aussi dans la niche du chien. T'auras pas l'impression d'être fait passer dessus par un train, parce que là-bas, y a pas de train. Mais crois-moi que ça va te faire des souvenirs. Mais quoi, vous voulez voir des cochons de près, non, la parisienne? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la télévision? Ah oui, oui. Vous savez, il y a cette émission avec ces gens de taille en dessous de la moyenne, en dessous du niveau de la mer, et des petites pattes toutes tordues qui courent partout devant Olivier Mine. Comment ça s'appelle déjà ces trucs? Des passe-partout. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours peur qu'Olivier Mine, sans faire gaffe, finisse par en écraser un de passe-partout. Allez, passe-partout, on va aller chercher des plaies, accroyez avant le père Fouras. Ta 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 ta. Ah merde! Mais qui c'est qui a encore laissé traîner des saloperies par terre? Putain, c'est le bordel ce fort! Pour y ranger un petit peu, c'est vrai, c'est dégueulasse, je crois que je viens de marcher sur un rat, un truc dans le genre. Ah, je sais pas vous, hein, mais. J'aime bien ça. Je sais pas vous, mais moi, honnêtement, Fort Boyard, je regarde que pour ça. Pour ça et pour savoir s'il passe partout, va enfin se faire bouffer par le tigre. Mais non, je suis pas méchant avec les nains. Ils s'en foutent les nains, ça leur passe au-dessus de la tête, tout ça.